Shabbat shalom! En direct de mon terrain! Merci Seigneur pour nous avoir fait grâce encore une fois, je me répète, pour avoir ce lieu. Merci, merci, merci! Alors, j'ai fait une vidéo bien tardivement dans la nuit et là, je la fais le matin. C'est Shabbat! J'ai pas à faire de ménage, j'ai pas à m'occuper du linge, j'ai pas à m'occuper des repas. C'est tout propre et tous les repas sont prêts! Oui, oui, oui! Elia avec son papa. Aujourd'hui, je ne la fais pas voir. Ah, j'aurais pas dû le dire, puisqu'il y en a qui regardent qu'une minute, ils ne savent pas que souvent, je fais un petit cadeau. C'est beau de voir un enfant et surtout, c'est un souvenir, vu que j'aime bien regarder mes vidéos chaque année, de l'année dernière et de l'année d'avant, puisque c'est la troisième. Et donc, je vais voir l'évolution comme ça, c'est bien. J'aurais dû le faire quand il était bébé. J'aurais dû le faire un court instant, ça va, c'est quoi? Parce que papa, il veut pas, mais ça va, quelques secondes, là. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors je vais lire le chapitre 26, si je prie pas trop longtemps en entier, mais si je suis lancée dans une longue prière, non, parce que là, il y a 46 versets. Bon, on va voir ça, Seigneur! Allez, merci Père pour ta parole, merci pour ce jour de Shabbat, merci de... ouvrir les yeux à mes frères et sœurs qui font en partie la volonté, ta volonté, mais qui n'ont pas été éclairés sur le Shabbat. Seigneur, voilà, on a tous un commencement. Je ne veux pas dire, ah non, vous n'êtes pas mes frères, vous n'êtes pas mes sœurs. Être catégorique comme ça, non. Puisque je sais par où je suis passée, je n'ai pas fait Shabbat au début. Donc, pourquoi est-ce que je vais... jeter la pierre. Ah Seigneur, merci, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience qui est notre salut, car moi aussi à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des choses à régler. Merci pour ta fidélité qui est grande et ton amour qui durera toujours. Merci Seigneur pour toutes tes fêtes, toutes tes shabbats, les hebdomadaires et les annuels. Merci Seigneur de t'être révélé dans ma vie, de m'avoir délivré de mes péchés. Oui, en partie, il est clair que je ne suis pas délivrée de tout, mais j'avance dans cette sanctification, j'ai soif et j'ai faim de toi et je veux persévérer dans ce que tu m'as offert gratuitement par cette œuvre de rédemption à Golgotha. Oui, je crois que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Yahusha Amashiach et je suis en lui et toutes les écritures saintes, on voit bien dans les prières, tout, dans les exhortations, on dit en Yahusha, en Yahusha Amashiach, en. Alors que je puisse être en toi. Oh, merci, merci pour tous tes bienfaits. Continue ton œuvre en chacun de nous et rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Délivre-nous de toute mauvaise doctrine, de toute mauvais trait de caractère, de toute mauvaise habitude, Seigneur, pour que toi, tu sois glorifié dans nos vies. Alléluia! Amen. Alors, chapitre 25, l'année de repos pour le sol, c'est cette année. Voilà, pour ceux qui ont fait des recherches, c'est pas moi, j'ai suivi les recherches des autres, je confesse. Et donc, ça tombait bien parce qu'on a du terrain et la maison, il y avait trop de travaux à faire dans la maison, donc on n'aurait pas pu être en train de s'occuper du sol, du terrain, des fruits, des légumes. À faire et en même temps de la maison, c'était pas possible. Donc le Seigneur nous a fait grâce. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez périodiquement le sol se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, vous pourrez ensemencer vos champs, tailler vos vignes et en récolter les produits. Mais la 7e année me sera consacrée. Mais, oui, c'est ce que je viens de dire, ce sera une année de repos complet pour le sol. Vous ne devrez pas ensemencer vos champs ou tailler vos vignes. Vous ne devez même pas moissonner ce qui aura poussé naturellement depuis l'année précédente ou vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées. Car ce sera une année de repos complet pour le sol. Même pas moissonner, il y a marqué. Oh. Toutefois, vous pourrez consommer ce qui aura poussé naturellement.
vous, vos serviteurs et vos servantes, de même que les ouvriers salariés et les autres résidant chez vous. Tous ces produits serviront également à nourrir votre bétail et même les bêtes sauvages de votre pays. L'année de la libération, verset 8. Vous laisserez s'écouler 7 périodes de 7 ans, soit 49 ans. Ensuite, le 10e jour du 7e mois, le grand jour du pardon des péchés, vous ferez retentir dans tout le pays une sonnerie de trompette accompagnée d'une ovation. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est consacrée à Dieu. Et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de jubilé. Voilà, c'est quoi les jubilés, tous les 49 ans. À cette occasion, chacun d'entre vous pourra rentrer en possession de ses terres et regagner sa famille. C'est ainsi que vous célébrerez tous les 50 ans l'année du jubilé. Vous ne devrez pas ensemencer vos champs, ni moissonner les épis qui auront poussé naturellement, ni vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées, car c'est l'année du jubilé dont vous respecterez le caractère sacré, sacré. Par contre, vous pourrez consommer ce que les champs produisent d'eux-mêmes. Lors de l'année du jubilé, chacun de vous pourra rentrer en possession de ses terres. Si vous achetez ou vendez du terrain à un compatriote, ne lui causez pas du tort. Achetez ou vendez en tenant compte des années écoulées depuis le dernier jubilé, et par conséquent, aussi des années de récolte qui restent jusqu'au prochain. Puis, il restera d'années, plus le prix d'achat sera élevé. Et moins il restera d'années, moins le prix sera élevé. En effet, c'est un certain nombre de récoltes que l'on vend. Manifestez votre respect envers moi, le Seigneur votre Dieu, en ne causant aucun tort à votre compatriote. C'est beau ça, c'est important ça. Quand tu fais du mal aux autres, tu fais du mal à Dieu. Quand tu fais du bien aux autres, tu fais du bien à Dieu. Alléluia. Ouais. Mettez en pratique mes lois et prenez bien d'observer les règles qui viennent de moi. Alors, vous habiterez en sécurité dans ce pays. La terre donnera des récoltes assez abondantes pour vous nourrir et vous pourrez y vivre sans souci. Vous allez peut-être vous demander, aurons-nous assez à manger lorsque tous les 7 ans, nous n'aurons pas le droit d'ensemencer nos champs ni de récolter ce qu'ils produisent? Eh bien, moi, le Seigneur, je vous comblerai de bien au cours de la 6e année. Alléluia! Alléluia! J'ordonnerai à la terre de produire des récoltes pour 3 ans. La 8e année, vous ensemencerez de nouveau vos champs, mais cette année-là, vous vivrez encore de l'ancienne récolte, car vous aurez assez de réserves pour attendre la récolte de la 9e année. C'est pas beau ça? Ah, il est bon notre papa. Amen. Le droit de rachat des terres. Une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive, car la terre m'appartient à moi, le Seigneur, et vous serez comme des étrangers ou des autres résidant dans mon pays. C'est pourquoi, dans tout le pays que je vous donnerai, vous fixerez les règles permettant à quelqu'un de racheter une de ces terres. Ah, je vais éternuer. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça, mon souhait, qu'il vous bénisse. Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère sera obligé de vendre une de ses terres, un de ses proches parents possédant le droit de rachat devra la racheter. Si l'homme n'a pas de parents ayant un tel droit, mais qu'il trouve les moyens de racheter lui-même sa terre, il calculera le montant dû à l'acheteur d'après le nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé. Il le payera et reprendra possession de sa terre. S'il ne trouve pas de quoi faire ce remboursement, le terrain restera la propriété de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, le premier propriétaire en reprendra possession. Si un homme vend une maison d'habitation située dans une ville fortifiée, le droit de rachat sera temporaire.
Il ne s'éteindra pas au-delà d'une année à partir de la vente. Si la maison n'est pas rachetée dans le délai d'un an, elle restera définitivement la propriété de l'acheteur et de ses descendants. Il n'aura pas à la restituer lors de l'année du jubilé. Par contre, les maisons situées dans les localités non fortifiées seront soumises aux mêmes règles que les terres du pays. Il y aura un droit de rachat permanent pour une telle maison et de toute façon, elle reviendra au premier propriétaire lors de l'année du jubilé. Quant aux Lévites, ils auront en tout temps un droit de rachat sur leurs maisons situées dans les villes lévitiques. Même si une de ces maisons a été achetée par un autre Lévite, elle devra revenir au premier propriétaire lors de l'année du jubilé. Ça alors. En effet, ces maisons-là constitueront l'unique propriété des Lévites dans le pays d'Israël. Mais les champs situés dans les alentours de leur ville ne devront pas être vendus, car ils seront la propriété définitive des Lévites. Alors, verset 35, j'en suis, les prêts aux pauvres. Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère ne pourra plus tenir ses engagements à votre égard, vous devez lui venir en aide afin qu'il puisse continuer à vivre à vos côtés. Vous agirez de cette manière même envers un étranger ou un autre résident dans votre pays. Vous ne lui demanderez pas d'intérêt pour que, sous quelque forme que ce soit. Montrez par votre comportement que vous me respectez et permettez-lui ainsi de vivre à vos côtés. Si vous lui prêtez de l'argent, n'exigez pas d'intérêt. Si vous lui fournissez de la nourriture, ne lui demandez pas de vous en rendre avec un supplément. Je suis le Seigneur votre Dieu, je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan et devenir votre Dieu. Amen. Alors, maintenant, le dernier paragraphe, c'est le droit de rachat relatif aux personnes. Alors, quand un de vos compatriotes tombé dans la misère devra se vendre à vous comme serviteur, ne lui imposez pas une tâche d'esclave, mais traitez-le comme un ouvrier salarié ou un hôte résident chez vous. Il sera à votre service jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, la liberté lui sera rendue, ainsi qu'à ses enfants. Il regagnera sa famille et rentrera en possession de la terre de ses ancêtres. En effet, les Israélites sont à mon service, eux que j'ai délivrés d'Égypte. C'est pourquoi ils ne doivent pas être vendus comme on vend les esclaves. Ne les traitez pas avec brutalité. Montrez par votre comportement que vous me respectez, moi, votre Dieu. Si vous avez besoin d'esclaves ou de servantes, vous vous en procurerez auprès des nations qui vous entourent. Vous pourrez également en acquérir parmi les enfants des étrangers venus résider dans votre pays ou parmi les membres de leur clan nés sur place. Ils vous appartiendront. Plus tard, vous les laisserez en héritage à vos fils afin qu'ils en aient la propriété à leur tour. Vous pourrez les garder comme esclaves à perpétuité. Par contre, que jamais personne parmi vous ne traite avec brutalité un de ses frères israélites. Si un étranger ou un autre résident dans votre pays s'enrichit et qu'un de vos compatriotes tombé dans la misère se vende à lui ou à un autre membre d'un clan d'étrangers, votre compatriote pourra bénéficier d'un droit de rachat. Un de ses frères peut le racheter. À défaut de frère, un oncle ou un cousin ou encore un autre parent de son clan peut le faire. Il peut également se racheter lui-même s'il en trouve les moyens. En ce cas, il comptera avec l'acheteur le nombre d'années comprises entre celle où il s'est vendu et celle du jubilé. Il calculera le rapport entre le prix de vente et ce nombre d'années et évaluera le travail fourni d'après le tarif d'un salarié à la journée. Si les années jusqu'au jubilé sont encore nombreuses, il restituera pour son rachat... Oui ? J'arrive ! Une part importante du prix de vente. Si au contraire les années restantes sont peu nombreuses, il en fera le compte et ne restituera que la part proportionnelle à ce nombre d'années. Tant qu'il reste chez son frère... Chez son maître, pardon, il doit être considéré comme un salarié à l'année.
Vous veillerez à ce que le maître ne le traite pas avec brutalité. Si votre compatriote n'est pas racheté d'une manière ou d'une autre, la liberté lui sera rendue, de même qu'à ses enfants, lors de l'année du jubilé. Et je ne sais pas pourquoi le verset 26, il finit pas là. Il finit par 55. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Oui, les Israélites sont mes serviteurs. Ils le sont, puisque c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Fin. Ah, je vais ouvrir à Samina. Elle va vous faire un petit coucou, Samina. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais t'ouvrir. Coucou, Samina. Mon invité. Souvenir. J'espère qu'elle reviendra. Et vous que j'ai pas vu, j'espère qu'un jour je vous verrai. Soyez bénis, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.